Ouais, yeah. Donc, salut, salut. Salut. Valédé, tu connais le concept. Yeah. Clint Busy au mic. Solomon Yves, blog à Pro Vibes, a.k.a. le président du FC Barat. Le Slim Boy Wonder. Heartbreaker. Yes, et Mr. Wiz, toi-même, tu sais, Bolo la vous connaissez, ah, comme j'aime dire. Donc voilà, nouveau concept, nouvel épisode surtout. Hein? On va commencer avec... Mais man, j'avais jamais préparé les titres. On va commencer. On va commencer avec l'artiste s'appelle Louise Manolo. Yes. Le son date d'il y a 8 mois. Le titre c'est Alléluia. 481 vues, 15 abonnés. Donc on s'écoute ça, les gars. C'est un remix de Stop On You. Man, non, attends, le son, attends, man. Please, Manolo, I can't know. Comme vous faites, je reconnais que dans ma vie, comme tu vois, tu es toujours là. Yahweh, mon avenir et mon espoir, je les ai mis en toi, Seigneur. Jésus, ils ont dit, je ne pourrai rien. Ils ont dit, je ne ferai rien. Mais toi, tu es. Mais madame, en train de tourner, toi, tu ne bon, so. Alléluia by Wiz Manolo. On commence par lui. Mr. Barat, tu es le spécialiste de la Afrobeat. Pour le coup, c'est quasiment la même chose, enfin le même beat que. Ça doit être un Mr. Easy. Je sais pas, c'est Dabedi, je pense. Puis je trouve pas ça très original. J'ai l'impression de. Je suis en train de chercher la chanson la version originale. Dans ma tête. Et puis je suis pas du tout fan de la voix. Je trouve que la voix et la musique, il y a un problème là que ça s'entend pas bien dans ma tête. Je suis vraiment pas fan. Donc, c'est sympa, ça s'écoute si tu es un peu compète. Faut accuser aussi l'alcool dans vos histoires. Moi je trouve que c'est très intéressant. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui on voit que le domaine gospel aussi vient sur l'afrobeat. Je pense que ça se rénove un peu et je pense que c'est actuel parce que les jeunes aussi qui sont chrétiens doivent écouter ce genre de musique. Et se retrouver. Maintenant, après, c'est vrai que qu'est-ce qui m'a vraiment gêné? Je pense que c'est la musique aussi. Wow. Parce que c'est déjà une musique qu'on a entendue. Mm-hmm. Et c'est ça qui cause un petit problème. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est bien, ça s'écoute. Et le message passe plutôt bien. Niveau gospel, il y a Limo Blaze qui fait de l'afrobeat gospel. Et puis c'est super. Ouais, mais là, c'est il démarre, frère. Okay. Tu vas pas lui dire, ça va. Donc, toi, tu valides. Moi, je valide. Toi, tu valides, ça, c'est sûr. Toi. Bon, alors. Oh! Alors, écrire sur Dieu, c'est un peu comme écrire sur sa mère, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que il y a déjà ce truc, ce truc attachant même. Tu pars avec avec des points en plus, mais voilà, c'est un morceau qui s'écoute, mais c'est pas nécessairement un morceau qu'on garderait en mémoire, tu vois. Ça s'écoute bien, mais c'est pas un morceau, justement à cause de ce manque d'originalité, c'est pas un morceau qui va perdurer et qui va et qui va justement rester dans les mémoires. Comme finalement tu vas aller de part. Fille parle de Dieu, je valide. Donc, en tout cas, moi je vous rejoins. Et puis le fait qu'on entend le Purchase Your Track là, tu sens que bon, voilà, il a pas mal. Arrêtez de poster les sons avec les fautes. Vous faites même les clips. Voilà, ça embête de 1, de 2. Bon, comme vous avez dit, il y a la voix qui est pas. Tu sens qu'il doit encore travailler la voix. Pareil, le Dieu, c'est un plus, tu vois. C'est bien, c'est toujours. En fait, comme tu dis, c'est toujours un peu attachant, c'est toujours des points en plus. Mais de manière générale, moi je trouve le son moins.
moyen, tu vois. Je pense qu'il peut s'améliorer, mais moi, je valide pas pour le coup. Ok. Fais 2-2. Donc voilà, 2-2, validé, pas validé. Bon, ouais, allez, force à toi, Wiz. Ça peut passer. Force à toi, Wiz. N'hésitez pas, vous aussi, à donner vos avis en commentaire. On va passer au deuxième son. On to the next one. Il s'appelle Jekyll. Il s'appelle Jekyll, comme le célèbre tueur en série. Le docteur Jekyll. Non, le tueur en série, c'est Mr. Hyde. Mr. Hyde, ouais. Ouais, mais bon, voilà, Dr. Jekyll, pour le coup, le titre c'est Sagas, le son est sorti, ça a un an déjà. Il y a un an, bon, voilà, 6800 vues, 263 abonnés. Ouais, one year later. Ok, on va quand même... Ça se présente plutôt ouais, bien. Ouais, c'est un clip, ouais, on va un peu, on va s'écouter ça, on va regarder ça. Déjà la scène d'ouverture classique. Ouais. Gun à la le refrain quand même. Je veux écouter le refrain. Je veux dire, bon, Jekyll, Sagas, il y a un peu, tu sens que c'est très Frenchy. Très Frenchy. Yeah. C'est très amusant. D'ailleurs, j'ai envie de... est-ce que c'est un Gabonais? C'est un Bouma. Alors, clairement, il fait pas ça pour nous. C'est très Frenchy. On ressent beaucoup de Hamza, beaucoup de trucs. Mm-hmm. C'est clairement pas mauvais. Après, bon, parce que nous aussi, on est au Gabon, on n'a pas la même... On est attaché à certains codes, mais on voit le son est bon, pour moi, c'est validé. Ouais, je veux dire que le son est bon, après, c'est un peu dommage. Bon, est-ce qu'on va dire que c'est dommage? Il s'adapte, je trouve que c'est cohérent. Mais ce qui est plutôt bien, c'est qu'il fait très, très bien... C'est quoi, de la drill? La prod est drill, en tout cas, faut pas se mentir, il a un bon flow. Mmh. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça d'abord agressif au début. Quand ça a commencé, là, ça m'a vraiment percuté. Ce n'est vraiment pas mon style de musique, mais alors là, pas du tout. Autant je veux kiffer le rap, mais là, c'est vraiment un truc que j'écoute pas. Je comprends peut-être même pas du tout. Mais il y a quelque chose, ça me titille un peu. Ça, pour le coup, je vais valider. Ah, ça quand même, pour une fois, j'ai quelque chose. Non, c'est pas mon style de musique. Je comprends pas tout, mais il y a une énergie. Il y a un truc qui dégage, quoi. Tous les codes de la drill sont repris. Il y a pas de risque. Tous les codes d'un bon rappeur de drill sont repris, que ce soit dans la gestuelle, dans le message, dans l'interprétation, le clip même. Ouais. Donc, Le clip, avec cet univers très gangster, très dark là. Mm-hmm. Bon, si tu es amateur de drill et que tu comprends cet univers là, normalement tu ne devrais pas être perdu. Ouais. Donc je valide. Ouais, et puis sa punchline, hein, il a sorti une punchline. Ouais, il posait une énorme merde, tout ça. Vraiment des profondeurs, comme non, man. Oh, non, en tout cas, Jekyll, Sada, c'est validé. De toute façon, on mettra les liens en commentaire. Validé. Et puis, vous donnerez aussi vos avis. Bien sûr. On va passer au troisième. On to the next one. Dernier son. L'artiste s'appelle Slim Sandro. Slim Sandro. Le titre, c'est Again. Sorti il y a un mois. 2300 vues. Yeah. 88 abonnés. On s'écoute ça. Ah, tu sens que on est down. Ouais. Attends, il y a un mot.
C'est tourné au Gabon, ça? C'est au Rwanda, ça. Au Rwanda. C'est des Gabonais? Mmh, c'est des Gabonais. Ok. Bon, un slim ça, avec un E. Slim, hein, slime, tu vois, on sait pas. Ça, le slime. Ça, c'est de la drue déjà. Good! Oh! Ah, oh! Et toutes ces coups qui font les belles, qui font les mutis. Comme nous, quand je porte pas de fête, t'as fait la notice. Est-ce au général, jamais je fais de kiss. Le préfère pour que ça glisse. Bon, je fais ça quand même avec le bug, avec le 10. Mélanie Bay, le dog is. Ça. J'ai ma femme, je m'en bats. Je bug avec ma tête. For sure, c'est un univers. C'est vraiment que. Donc je ride dans la ville avec le gang. Les belles étant camées. Bang bang. Oui. Minimum, je bags dans la baisse. Je lui ai donné la veille tout mort, je suis comme ces gains. Donc je ride dans la ville avec le gang. Minimum, je suis back, c'est dans la baisse. Je lui ai donné la veille tout mort, je suis comme ces gains. Ok, Slim Sandro. Slim Alors, Sandro. Moi je vais commencer d'entrée par dire que le texte n'est pas fameux, mais il y a le style, la voix surtout. Et je pense que ceux qui font la drill, quand vous avez cette voix-là, c'est quand même incroyable. Donc, il y a un flow, il y a un truc, il y a une combinaison qui fait que ça passe à l'oreille. Parce que, en fait, bon, j'étais en train de lire ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Ouais. Et en vrai, il raconte. Ouais, c'est pas, Mais bon, on va dire, c'est dans l'air du temps, c'est plutôt le code aussi qui veut ça. Et je pense que, ouais, ça donne quelque chose d'intéressant quand même. Moi, je valide. Ouais, en fait, pour les codes de la drill, en fait, il y a tout le monde. En vrai, si tu kiffes la drill, tu comprends. Ça peut te parler. Bien si tu n'es pas trop fan aussi, ça va pas te parler. C'est pas mauvais en soi, tu vois. C'est pas mauvais en soi. Après, bon, au niveau texte, on peut quand même essayer de voler un peu plus haut. Ouais, mais clairement, il n'y a pas de punch comme tout à l'heure, par exemple. Tu vois, c'est deux sons de drill et tu sens quand même la différence. Bon, allez, moi, je vais quand même te donner mon V. Et puis voilà, quoi. Solomon. Alors, autant j'ai validé le précédent morceau, ça, je valide pas du tout. Surtout que quand ça commence un peu sombre, le texte et puis la prod. Quand j'écoute, je trouve pas de sens. Ouais, bon. Du coup, j'ai du mal. Et puis, cet univers-là, en fait, au finish, je trouve pas très original. Je veux dire, oui, c'est de la drill et qu'il y a des codes et tout, mais en tant qu'artiste, qu'est-ce que chacun apporte de plus? C'est de réchauffer des codes qui sont déjà là. Quand ils font de la drill, tous font exactement la même chose. Ouais, ils prennent le paquet, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai que même dans l'écoute, il y a un certain rythme que tu retrouves partout. Ouais, et même dans le visuel aussi. Oui, même le son, capuche, machin, effectivement. Mais les trucs hyper zoomés à la AGF. C'est pas le genre qui me dérange, c'est plus la proposition de l'artiste qui en lui-même. Exactement. Donc non. Non. Tu valides pas. Et toi, Esson? Bon, enfin... Bon, je vais... Comment? Je vais te lâcher. Je vais revenir sur ce que je disais pour notre driller précédent. Jekyll. Les codes sont respectés. Pour ceux qui sont fans et qui comprennent ce genre-là, qui comprennent cet univers, les codes sont respectés. On parle de drogue, on parle d'armes lourdes, de braquage, d'un certain mode de vie sulfureux, tu vois. Mais c'est, enfin, moi, je suis quelqu'un, enfin, j'ai un certain âge, tu vois. C'est forcément des trucs qui me sont étrangers. Donc, je sais pas s'il faut valider ou pas, parce que c'est un truc qui c'est un univers qui m'est étranger. Par rapport à ça, enfin, dis-nous si tu valides ou pas, mais je veux rajouter un truc quand même. Je vais valider parce que bon, les petits, le petit est dans son truc en fait. Il est vraiment, il est dans son élément. Enfin, c'est pas un truc que je comprends. Moi, ce qui me dérange un peu avec ça, c'est que tu vois, quand ils sont en train de parler de violence, d'armes à feu, de couteaux et compagnie. Est-ce que ça, c'est une réalité qu'ils connaissent ou c'est une réalité qu'ils vivent? Non, c'est fantasmé. La plupart du temps, c'est fantasmé. C'est rappeur, man. Voilà, c'est quelque chose qui fait que moi, j'arrive pas à rentrer là-dedans parce que j'ai pas l'impression que ce soit des gens qui parlent de ce qu'ils savent. Tu veux forcément qu'ils vivent, qu'ils racontent ce qu'ils vivent. Non, mais c'est pas forcément. Vous connaissez? Bah, écoute. Ouais, ça, c'est un débat que chacun peut avoir. Mais ouais. Bon, comme il a tourné sur Rwanda, peut-être que Rwanda, c'est
Pardon. En tout cas, est-ce qu'on peut voir aussi que les Gabonais à la diaspora, c'est non, pas mal. Non, il n'y a pas forcément le mindset du Gabonais qui vit et qui a grandi à Libreville. Ils sont présents partout, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Europe et tout. Ils sont présents un peu partout, ils font de la musique un peu partout. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Et parfois, c'est des mecs qui ne sont pas nécessairement en contact avec ce qui se fait. Clairement. Mais c'est les Gabonais. Grosse force à tous ces Gabonais de la diaspora qui font de la musique. Yeah. Donc voilà, c'était un gros. C'est 300, man. C'est 300. Ça tire en longueur. Comme on lit, on voyait les sons, continuez d'envoyer les sons. Mais moi, ça m'ennuie un peu à chaque fois de parler des rappeurs, man. Mais après, c'est les gens qui envoient les sons. Les demandes sont, les gars. En tout cas, tous les artistes sont les bienvenus. Envoyez les sons et abonnez-vous aux différentes pages Bolitrap, Gestor Musique, Gestor Média, Mr Wiz, Afro Vibe le Bloc. Donc, il a la page. Il a la page des abonnés là, man. Il ne fait même pas la promotion de sa page, man. Il me fatigue. Bref, ciao. Voilà, t'as pas aidé. On se dit à la prochaine, on est ensemble. Yeah.